Joie, signe d'allégresse, Hanouka, un mélange de bonheur.
du Betrava de Charpennes, 5783. Alors cette année, on a la chance et l'honneur de recevoir Monsieur le maire, Monsieur Cédric Van Stevendel et son directeur de cabinet, Monsieur Pierre-Yves Collot. Sous vos applaudissements. Alors ce soir, il y a une grande tombola. Alors il y a des garçons qui tournent auprès de vous. Un tirage au sort ou participation de 10 euros. Et le gagnant gagne un voyage à New York pour une valeur de 500 euros. Donc n'hésitez pas à participer. On va commencer par une vidéo du Rabbi. Alors je vous conseille vraiment de vous rapprocher de l'écran et de regarder ça avec attention. Merci. The Rebbe offers a simple and meaningful message. One that is as relevant today as... When I had me to goof in the lesson, talk was me seen from the licht, and in the grease. Was me bad by the Leibischen, as we are... The Lichtigkeit and the Heiligkeit and the Reinkheit from the Yiddish Leben hängt zusammen von selber mit der Kenne, aber das ist selber Bentje. On sort de l'Ifte Rafu Leo, on zéra n'ungera de l'Idalis Welsh Watching, pour welche se danach est gewachsen, der ganze jüdische Volk, zwar in zusammen mit Shevet Levi und der Al-Hanisi, und danach heche den ganzen jüdischen Volk, aber es ist ein Nebeter Ansatz der Lebeschen, abhalten sich bei mir mit so wie T.O.E. Und das ist das verbunden mit der Dien bei Chanukah ist nicht nur nach der tremendous crowd, more than 20 lighting ceremony, an interesting angle. On n'a pas gagné, je crois, hier soir. Hélas, hélas. Sinon, on aurait pu... Bien, bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Je ne peux pas saluer toutes les personnalités qui représentent la communauté juive réunie ici ce soir. Donc, je ne vais pas me lancer dans cet exercice. J'espère que vous m'en excuserez, mais il y a tellement de personnes qui représentent cette communauté que je risquerais d'en vexer. D'abord, merci beaucoup pour m'avoir invité à ce premier soir de Hanouka, cette fête... des lumières, cette fête de la lumière. Alors, je crois que moi, comme c'était dit dans la vidéo, je dois avoir la connaissance d'un enfant de 7 ans issu de vos rangs sur la signification de cette fête. Mais du coup, l'avantage, c'est que je suis allé me renseigner pour essayer de mieux comprendre ce moment que vous vivez, qui est important pour votre communauté. Et si vous me permettez, je vais juste vous en partager ce que j'en ai compris. C'est à cette période de l'année où la nuit est la plus longue qu'il est important de se souvenir... que la lumière perce toujours les ténèbres. Cette flamme qui est la Shakina dans la traduction juive, la présence de l'esprit, elle n'a même pas besoin de combustible pour brûler. Une fiole d'huile à peine suffisante pour un jour a pu brûler pendant 8 jours. De même, la flamme d'humanité qui vit en chacun de nous ne se nourrit d'aucun combustible pour éclairer les ténèbres du monde. Le rabbin de Lubavitch recommandait de placer la Hanoukia près de l'entrée, vers l'extérieur, pour que la lumière passe de l'intérieur vers l'extérieur. Bien que n'étant pas juif, ce message me parle. Finalement, il nous invite à chercher à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nous-mêmes parfois, cette lumière que nous devons donner en partage. Et chaque soir... vous allumez une nouvelle flamme à l'aide de celle du Shamash. C'est un nom bien trouvé, le Shamash. Le Shamash, si j'ai bien compris, c'est le serviteur qui transmet la lumière. Que tous les passeurs de lumière, qu'ils soient professeurs, prêtres, médecins, rabbins, savants, journalistes, se considèrent comme des serviteurs. Que le maire de Villeurbanne se considère comme un serviteur. Un serviteur des citoyens, un serviteur de la fraternité et de la tolérance. Mais cette lumière que vous allumez, elle commémore aussi, bien sûr, la résilience juive face aux forces qui essayent de l'éteindre. Anna,
et ses sept fils sont morts de la main d'Antiochos, mais les Maccabées ont fini par triompher, et le temple a retrouvé la lumière. Pas plus qu'Antiochos, le nazisme n'est venu à bout du judaïsme. Les ténèbres peuvent s'acharner en vain, une flamme s'allumera toujours pour les anéantir. Mais une flamme qui brûle sans combustible, est-ce possible? Ça semble pas très crédible. Spinoza définissait Dieu comme l'ensemble de ce qui est possible. Les croyants de toutes les religions pensent que c'est un peu plus que cela. Dieu fait ce qui est possible, mais aussi ce qui est impossible. Et c'est d'avoir foi, c'est-à-dire confiance, dans la part incroyable de l'histoire qui réunit les croyants de toutes les religions. Pour d'autres, c'est un homme ressuscité. Pour la religion juive, il faut croire qu'une fiole d'huile à peine suffisante pour un seul jour puisse brûler pendant 8 jours. C'est la croyance dans les histoires incroyables et leur capacité à porter ces histoires et à les transmettre qui réunit les humains. Ce n'est pas spécifique aux religions. Promenez-vous à la frontière. Verrez-vous les limites de la France? Non. Et pourtant, nous croyons que la France existe, qu'elle est réelle, qu'elle est concrète, qu'elle est même capable de gagner 3 fois la Coupe du Monde. Bon, on s'arrêtera à 2 pour l'instant, mais c'est que partie remise. On est tous derrière notre pays. On ne peut pas attraper la démocratie. La République, ce sont des récits merveilleux d'un monde où le peuple aurait le pouvoir de décider de son sort, où les lois protégeraient le faible contre le fort. Une ville que nous pourrions animer ensemble et pas seulement en coexistant les uns à côté des autres. Une société où nos désaccords s'expriment pacifiquement et où nous grandissons mutuellement grâce aux arguments que les autres nous opposent. C'est un récit merveilleux et c'est parce que nous croyons ensemble à ce récit merveilleux que nous sommes tous ensemble une communauté. Les Juifs ont leur récit qui les unit à travers les pays, à travers les âges. Les Français ont leur récit qui les unit au-delà de leurs croyances. Vous avez la chance d'avoir les deux et à Villeurbanne, vous avez de la chance de les avoir. Avec mon équipe d'élus, j'essaye en mon âme et conscience de mener une politique équilibrée en tenant compte de l'intérêt général et des impératifs de tout le monde. Quelles que soient mes décisions en tant que maire, et par définition, elles ne peuvent pas tout le temps satisfaire tout le monde, je vous assure et à vos représentants que ma porte restera toujours ouverte pour réfléchir ensemble et essayer de trouver les solutions aux difficultés. Merci de votre attention. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach, bonne fête à chacune et à chacun d'entre vous. Hanouka Sameach, mes chers amis, messieurs les rabbanim, monsieur le maire de Villeurbanne, monsieur Van Stivendel, monsieur le directeur du cabinet du maire, monsieur Collot, c'est un honneur et un immense plaisir de vous accueillir chez vous, au Square Pelé, pour notre allumage public de la 2e bougie de Hanouka. Vous le savez peut-être, mais hier soir, nous étions le premier soir de Hanouka et à ce titre, nous avons allumé une bougie. Permettez-moi de vous faire remarquer que dans la plupart des fêtes que nous célébrons, y compris celles qui durent plusieurs jours, nous accomplissons une seule mitzvah, un seul commandement, quitte à le répéter une semaine entière, mais une seule mitzvah est accomplie. Alors, si nous avons allumé une bougie hier soir, pourquoi ne pourrions-nous pas nous contenter d'allumer ce soir encore une seule bougie, ainsi que pour tous les 8 jours de Hanouka? Et si le but de la manœuvre est d'allumer toute la menorah, pourquoi ne pas allumer toutes les 8 bougies tous les soirs de Hanouka? En réalité, le message de Hanouka, ou du moins l'un des messages de Hanouka,
est aussi fondamentale qu'universelle. Le judaïsme enseigne à travers cette fête et l'accomplissement de ce commandement qu'il nous est interdit de nous satisfaire. Tout ce qu'on a pu réaliser de bien dans le passé, c'est très bien, c'est magnifique, mais pour le passé. À présent, nous devons progresser. Si nous avons allumé une bougie hier, alors on ne peut pas se contenter d'en allumer qu'une seule aujourd'hui. À l'image de l'alpiniste, nous devons sans cesse évoluer, avancer et toujours progresser. Mes chers amis, nous avons tous une flamme qui brûle en nous, une âme pure qui vit en chacun d'entre nous. Et il y a un phénomène naturel qui existe uniquement dans la flamme, mais tellement significatif. Lorsqu'on allume une bougie avec une flamme, notre flamme ne perd rien de sa lumière. Et si on en allume 10, elle ne perdra toujours rien de sa lumière. Lorsqu'on vit en société, il arrive d'apercevoir un peu de froideur, un peu d'obscurité chez autrui. Ne soyons pas égoïstes, mais au contraire, allons apporter un peu de chaleur et de lumière autour de nous, car c'est aussi ça, Hanouka. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont fait l'effort de participer à cet événement et je vous encourage fortement à vous rendre au grand événement organisé par la Jeunesse Lubavitch mercredi soir à 19h, ce sera exceptionnel. Je voudrais remercier particulièrement tous ceux qui ont fait en sorte que cet événement puisse avoir lieu. Ils se reconnaîtront. Que Dieu vous bénisse et vous donne la possibilité de contribuer à encore beaucoup d'autres activités. Bezrat Hashem. Un spécial remerciement également pour notre service de sécurité qui travaille dans l'ombre. Et je vous demande de les applaudir très très fort. Que Dieu fasse que nous puissions allumer la prochaine bougie dans le troisième Beit HaMikdash avec Mashiach Tzidkeinu. Je vous rappelle que vers 20h aura lieu le tirage au sort donc de la tombola, donc n'hésitez pas à participer. Les garçons passent au milieu de la foule, n'hésitez pas à participer pour gagner le magnifique voyage à New York. Et maintenant, pour nous mettre dans l'ambiance de Hanouka, je vous demande pour la deuxième année consécutive de faire un tonnerre d'applaudissements à notre star chassidique, Shmuel et son orchestre. We'll be right back.
Thank you.
train de chanter. Nous appelons notre ami William Belchetrit pour la deuxième bougie. Je vous demande s'il peut se rapprocher de la nacelle. Merci à tous. Et comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, il est très difficile de distinguer un juif d'un autre juif. C'est pour ça qu'on va accueillir un ami du maître Abad Charpen, qui est le rave donc d'une communauté juste à côté, le rave Shimon Ohayon.
Moi, à chaque fois que je viens, c'est tout simplement un plaisir pour moi, comme vous, avec les enfants, pour faire profiter les enfants, leur faire chercher des barbes à papa et des beignets, et va leur courir derrière. Et tout ça, la bataille, tout ça, mes chers amis, c'est la fête de Hanouka, la fête de Hanouka qui est du mot finour, qui est l'éducation. Alors, c'est vrai, on est dans une ville où, grâce à Dieu, on a la possibilité d'éduquer nos enfants, eh bien, librement, comme on l'entend, avec cette facilité d'avoir une éducation propre à toutes les religions. Et bien sûr, ce qui nous intéresse à nous, on ne va pas se le cacher, c'est la possibilité d'éduquer nos enfants dans les valeurs de la Torah et des mitzvot. Eh bien, c'est une chance énorme. Aujourd'hui, de célébrer comme ça avec des centaines de personnes, Bli Aïnara, eh bien, de la communauté juive, c'est une possibilité d'éclairer les yeux de tout un chacun, mais une possibilité également d'apporter ce regard de lumière, cette lumière qui éclaire les yeux de tous les habitants de la ville de Villeurbanne, la lumière qui combat l'intolérance, la lumière du respect contre l'insolence, la lumière de la Torah, la lumière de la tradition contre l'assimilation. Eh bien, mes chers amis, encore une fois, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, parce que le combat que mène aujourd'hui le mouvement Chabad, et je voudrais vraiment, vraiment, vraiment leur rendre hommage aujourd'hui avec le Rav Chaim Hillel Zekri, qu'on applaudit s'il vous plaît, et le Rav Eli Zekri, qui sont très très chers aux yeux de toute la communauté, je le sais. Aujourd'hui, franchement, l'organisation est juste extraordinaire. On ne sait pas faire ça, nous. On ne sait pas. Il n'y a que les Chabad qui savent faire, il faut l'avouer. Et on dit la vérité. On applaudit les Chabad. On n'est pas capable de faire ça. On n'a pas les épaules. Et on remercie Chabad, on l'a vu tout à l'heure, devant la Tour Eiffel, à New York, ça passe dans les spots TV. C'est juste extraordinaire. Et on remercie parce que, vous savez, je vais vous raconter une histoire qu'a raconté le fils d'un des grands rabbins d'Israël, il y a à peine quelques jours, qui était là, le Rav Shmuel Eliaou. Écoutez cette histoire fantastique. Il a raconté, lors d'un repas avec les rabbins, tout ça, les barbus, bon, comme ils disent les autres, voilà, eh bien, il a raconté que un des grands rabbins d'Israël, le Rav Meir Lau, qui a été un des rescapés de la Shoah, il a été rendre visite au Rabbi Lubavitch. Et le Rabbi lui dit, dites-moi, qu'est-ce que vous faites comme travail? Il lui a dit en hébreu, « Mekarev rechokim ». Il lui a dit, « Je rapproche les gens éloignés ». Il lui a dit, « Ah bon ? Qu'est-ce que ça veut dire, rapprocher les gens éloignés ? Il n'y a pas de gens éloignés, il n'y a que des juifs. On rapproche les juifs, il n'y a personne qui est éloigné. » Écoutez cette phrase qu'il lui dit, « S'il est éloigné, c'est parce que dans votre cœur, ils sont loin de vous. » On n'appelle pas ça des gens éloignés, mais on appelle ça des juifs, des gens de la communauté. Et c'est le regard, c'est l'optique, c'est la vision du mouvement Chabad, c'est de rapprocher tout un chacun. Il n'y a personne qui soit éloigné. Et je pense qu'on le ressent aujourd'hui même, autour de nous. On est là, des personnes, eh bien, on rejette de tous bords. Et on est rassemblés, et ça, grâce à Dieu, grâce au mouvement Chabad Lubavitch, on les remercie. Je ne veux pas être plus long que ça. Merci infiniment, merci, 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 Kol HaKavod. Yeah.
ילדים שמונבי התעזור תנענו אור בשמחה נעורים ימים יפים וגם פחות ובין תשולה נכון השאלות יש לנו כמו אחד גדול ובעולם הזה נותן לנו מקום ונפלה נפסיק מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם No, no, no.
574-281. Alors, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On félicite la femme du monde, Rachel. C'est pas un hasard. Eh ben, je crois qu'il y a quelqu'un qui est invité chez le Rabbi. Razak, comment vous ? On se retrouve.